Salut les frères, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Tesso. Aujourd'hui je suis parti d'un Maelstrom vétéran pour try, me re-entraîner avant la sortie de la mise à jour de Greymoor où il y aura les armes parfaites disponibles en Maelstrom où j'irai directement les chercher moi-même dès que la mise à jour sera opérationnelle. Donc là j'ai try sur un live Twitch, bien évidemment le lien sera comme d'habitude disponible dans la description de cette vidéo. Donc vous pourrez aller me follow sur ma chaîne Twitch pour être au courant des prochains lives. Sachant que je live presque tous les jours sur Twitch, sur Tesso particulièrement, après sur d'autres jeux comme Warzone, mais pas tous les jours par contre pour ça. Bref, du coup là ça m'a pris vraiment longtemps à faire le montage parce que de base la vidéo elle durait 3... presque 3 heures. 3h40, un truc comme ça devait durer la vidéo. Parce que ça m'a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps à faire. Car déjà j'ai passé presque 2 heures à dernière arène. La manche 3, j'ai passé 1h30. Et au boss final, j'ai passé 1 heure. Vraiment, j'ai un peu bugué. Aussi, je tiens à vous informer que malheureusement, dans la vidéo, bêtement surtout de ma part, j'ai oublié d'activer l'audio par une bonne partie de mon live et surtout au début. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de l'arène des araignées, je commence à parler parce que j'ai réussi à comprendre que j'étais muté en quelque sorte. Donc voilà, donc désolé par rapport à ça. La vidéo est assez longue, donc libre à vous pour trouver des strats, pour vous entraîner, etc. De l'avancer, de la reculer pour aller à l'arène, à la manche où vous avez besoin. J'essaie de faire un découpage, des cuts assez précis à chaque fois où j'ai réussi une manche. Donc vous pouvez voir ça directement sur la vidéo, vous pouvez avancer pour aller à la manche où vous êtes bloqué pour voir la strat que j'ai employée. Sachant que je ferai sûrement une autre vidéo sur Maelstrom prochainement, où je récupérerai les armes parfaites, tout simplement, où j'irai récupérer après la mise à jour. Donc voilà, puisque je n'ai pas cité dans la vidéo, je vous invite dès maintenant à liker, à me follow et à activer la cloche. Sachant que des vidéos sur Tesso vont arriver très prochainement et dans la semaine, d'autres vidéos sur Tesso vont arriver. Donc merci à vous de regarder la vidéo et bonne vidéo à vous. A plus la team. J'espère que son testament est vrai.
expertise martiale est vraiment impressionnante. Si elle l'est assez, cela pourrait devenir... Indigne de la contempler. J'ai perdu un pari en misant sur la reine de la nuit.
donne la puissance suprême. Mais le pire est à venir. Ah!
courez donc! Thank you.
Regardez bien, bande de bons à rien. Vous pourriez apprendre une chose ou deux. Je vais bien m'amuser. Vous avez vu ça? Voilà. Ça, c'est vrai. Thank you.
ça pourrait être classé, moi, honnêtement. Pour les armes à Nord, Maelstrom. Vous êtes entré dans l'arène. Voici venir un gigantesque comité d'accueil. Voilà. Ouais, fait très mal là. T'es proche, j'ai fait plus rien de dégâts. Ah ouais, plus ça avance la game, plus moins j'ai fait de dégâts. Ah, je fais même pas de 1000 de dégâts par attaque déjà. C'est bon, j'ai réussi. Jamir, salut amigo, pourquoi tu prends pas les boss au sol? Les boosts au sol? Parce que Jamiro, justement, j'ai déjà réussi Maelstrom. Et en fait, déjà, je suis mort plusieurs fois parce que j'ai des choses à faire. Je vais m'arrêter là durant le live. Et je viens de faire un classement. Du coup, je vais réussir du premier coup, tu vois. Donc, déjà, là, j'ai utilisé un boost là sans faire exprès, le boost pour courir plus vite. Alors que j'en ai vraiment, vraiment, je m'en fous de ce boost. Et je sais pas pourquoi ça me l'a pris en fait. Parce que j'étais en train de changer mes compétences. J'appuie sur Y, après sur B, ça me l'a pris parce que j'appuie vite sur les deux boutons. Simplement. Du coup, ouais, après, je prends pas des boosts au sol et je pense pas en avoir besoin. J'ai réussi Maelstrom sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo après quand j'ai réussi il y a pas longtemps. Le mort que tu as eu, ça va être chaud de te casser, non? En fait, j'ai eu des morts trop bêtes, t'imagines même pas, genre, je pense pas que ce soit depuis le début du live, mais t'aurais vu les morts d'handicapés que j'ai eu, c'est incroyable. Genre, je suis mort en PLS, genre, en plus, dis-toi, à part là, jusqu'à maintenant, je suis jamais mort à la manche du boss. Je suis mort qu'aux manches préliminaires. Est-ce que tu m'as demandé quoi déjà? De ce que j'ai eu. Je crois faire les quêtes psychiques en fait. Moi je les avais vu comme ça, je faisais. T'as dit quoi sur internet? Ouais ouais, mais ça je crois que c'est dans les quêtes des psychiques. Faut, moi personnellement, ça j'ai pas regardé sur internet. Moi perso ce que j'avais fait c'était... T'as fait toutes les quêtes psychiques. Essaye de les faire. Moi perso j'ai pas regardé sur internet et l'arbre de compétence s'est débloqué tout seul par lui-même. Je faisais juste des quêtes au couchant. Au bout d'un moment j'ai eu un mec qui m'a demandé de fermer les brèches. Et je crois que ce mec, je l'avais trouvé à Arteum, si je dis pas de bêtises.
Merci beaucoup, Jamiro. Merci beaucoup. 6 sur 9, quoi? Ah, mais c'est pas ça alors. Que tu l'as bien avant. J'avais pas encore fini mes quêtes, moi, que j'avais déjà l'arbre de compétences. C'est une quête spécifique qui doit trouver Arteum. Regarde si t'as pas. Du coup, ce que je disais, Jamiro, c'est qu'en fait, je veux juste être dans un classement et pas forcément avoir un bon classement. Yo, photo, plus un follower. Yes, merci, Warthogs. Parce que comme ça, au moins, si je suis classé, j'aurai les armes en or avec le courrier. Comme pour les raids et tout, Jamiro. Je sais pas ce que je veux dire. Regarde sur internet, à la stress, t'as pas une quête spécifique. Je crois que ce serait Arteum. La quête, hein, honnêtement. Il doit y avoir une quête pour avoir de l'arbre. C'est bon? Là, c'est nickel, nickel, mon gars. Je sais pas comment faire là pour le DPS à lui. C'est comme ça qu'on a le bourrin. Voilà. Yes, merci Warthogs. Damiro, toi t'as déjà réussi à le faire plusieurs fois, la reine de Maelstrom. Si vous voulez, il y a tout le des conseils à me donner. Comme j'ai mis dans les tags du live, genre je suis prêt à tous vos conseils, à donner des conseils aussi pour ceux qui veulent. Voilà, tac, tac. Comment tu as fait pour avoir le pistolet pour l'alerte follow? Ça te dérange pas, on en discutera ultérieurement. Warthog, on en discute dès que je finis mon live. Là je suis en train de faire un défi en fait. On en parle tranquillement. T'inquiète, merci. T'inquiète, on va faire ça après le live tranquillement. Voilà, ça c'est fait. On donne la vie là. Yes. Sortez-toi parce que maintenant. C'est vraiment de me préparer pour Greymore, niveau gemme transmutation, etc. pour le nouveau set.
Ah ouais, je vais être rompu. On va recharger notre... Regardez la This tape is as a flowers. Happy. Yes, it's good. Yes, yes, c'est bon, j'ai réussi. Entrée d'Astern. C'est quoi ça? Faut comme arène. J'ai pas de souvenir de cette arène, moi. Qu'est-ce que c'est que cette arène? Yes, yes, happy. C'est bon, c'est fait. Ah oui! Ah, je suis à la dernière arène là. De Maelstrom. Tu vois, est-ce que je vais faire une vidéo de ce. Même avec Greymoor, tu vois, il y aura une mise à jour. Et les armes, tu pourrais les avoir normales, tu n'auras pas à me perfectionner, ce ne seront pas parfaites les armes. Tu ne seras pas opti quoi. Mais c'est trop bien que c'est en plein qui a été trop dur à faire en fait et que pas personne n'arrive à le faire. C'est fragile. Voilà.
Après, je pense à sortir du Grimoire quand j'aurai mon set pour les raids Opti. Je ferai une vidéo pour montrer aux gens genre quel set j'utilise pour passer Maelstrom là. Enfin, Maelstrom. De quoi? Tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît? Je vais attendre juste ce moment. Quel set? Non mais ça c'est des sets qui bougeront pas même après la mise à jour. Peut-être que j'ai sur le mien. C'est des sets très accessibles les sets que j'ai sur le mien. Alors c'est vraiment des sets qui coûtent rien du tout. C'est très très accessible ce que j'ai sur le mien. Je pense à l'achat, ça doit... Il faut au max 20 là. Ouais, du coup, du point. Non mais le cas c'est fait chier. Tiens, je dois faire une notification là. Je vois pas. Bon, j'ai réussi à passer cette manche, on va recharger mon arme. Et moi, il y a YouTube après cette manche. Apparaît. Yes, c'est du coup 35%.
Yes, it's good. C'est bon, c'est fait, on a réussi. Ah, c'est fait, yes. Anti-lénitivère, on répare tout. On passe à la dernière arène Maelstrom, on va passer à la dernière arène. C'est parti, on se retrouve après le chargement. Nous voilà la dernière arène de Maelstrom, on va essayer de faire ça vite. On est exactement à 1h43 de live, j'ai un peu perdu de temps parce que j'avais oublié les strats, etc. Bon, on va essayer de faire vite les gars. Hop là, tac, tac, tac. Celui-là est à moi, mes sœurs. Hop, tac. C'est fait. On passe à la suite. Nice. Thanks, Happy. Regardez bien, bande de bois. Allez sur ces flancs. Faites le tour. Hop là, ça c'est fait, nice. C'est fait, on passe à la suite. 354 000 points, 354 000. Mais quand il y a tout en même temps, tu vois, c'est compliqué. Parce que je prends genre beaucoup de dégâts en même temps. Tout, je prends mon sort de soin et je fais presque aucun DPS. Bon, j'ai réussi. On augmente ton armure et tout.
des sorts de soins. Faut également que tu aies de quoi taper. Par exemple, moi je monte à 5000 de dégâts. Enfin, je dépasse 5000 de dégâts plutôt. Avec mon gardien vigueur en PvP. Du coup, tu vois, genre, quand je suis en champ de bataille, vu que je suis pas encore champion max, il fait plutôt mal. Voilà, j'ai tué les titans. Celui-ci est à moi, mes sœurs. On s'est terminé la manche maintenant, tranquillement. Je sais pas ce qu'il y a après, du coup, on va garder, un mec, le petit Ogrim qui casse les couilles comme d'hab. Allez, il est mort. Bon, les gars, post final, là je maintiens une santé, c'est sûr, mais faut. Ouais, il faut vraiment augmenter. Bah, attends, je termine là. Ok, excuse-moi, je t'ai muté. Et ouais, je capte ce que je voulais dire, c'est bon. Du coup, j'étais un peu absent. Je sais même pas comment je fais pour passer des droites là pendant que j'ai discuté avec nos familles. Ok, du coup, j'ai capté, c'est bon. Merci beaucoup parce que ça, la dame, si tu m'aurais pas dit, j'aurais jamais su. Je me trompe pas, l'endance, le dégât augmente. Moins si elle plaque, moins si le dégât augmente, c'est ça? Bon, je reçois là. Merde, j'ai pas vu elle.
C'est ça qui me faisait explosion spatiale. Là, je vais pouvoir le terminer, je pense. C'est bon. J'ai réussi Maelstrom Vett lors d'un live. Nouveau meilleur score pour un de Maelstrom. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir comme arme? Le bâton infernal de Maelstrom. Yes! Le bâton. Votre légère est lourde, inflige 1500 de dégâts. Pose supplémentaire aux ennemis dans votre mur élémentaire. Bruit de succession, ça va le prendre. Bug d'un hiver. Et on a reçu Maelstrom. Temps total 3h36 minutes. Score final 108 821. Bon. C'est pas grave. Merci Happy. Merci à Lemdams. Merci à vous tous de m'avoir aidé lors du live. Yes. Thanks Happy. Il est temps pour mes parents de me revenir. It's good. Merci à tout le monde d'être là pour le live, de m'avoir aidé. Je veux éviter de vous faire tomber à la renverse. Je vais faire des lives Twitch plus souvent sur Tesso, surtout avec la Twitch Greymoor. Et je ferai des vidéos sur Greymoor. Je vous invoque. Sur ma chaîne. Revenez à moi. Hop là. Thanks all. Ouais. Approchez donc. Yes, le bon trait, t'as raison. Laissez-moi vous contempler d'un peu plus près. Voici l'idée de ma chaîne YouTube. Vu que ça, je vais remettre en vidéo YouTube. Ceux qui vont voir la vidéo, n'hésitez pas à me follow. Activez la cloche, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi aussi en commentaire comment ça se passe pour vous, Maelstrom, si vous y arrivez. Une fois que vous l'avez réussi, si vous avez vos armes. J'ai de la bonne arme du premier coup. Yes, thanks, Happy. Don't speak French, but good job. Thanks, Log. Thanks. Thanks much, Log. Merci beaucoup. It's good.